au revoir ma fille. Tu sais que je t'aime beaucoup, mais ta place n'est pas auprès de moi, mais auprès de ton mari. Oh, mardi tout femme, you know that I love you so much, but your place is not me. It's a real job, but you know I guarantee next time. On a dit qu'il y a deux points. Il y a la barrière. La barrière. Oui. On fait comment? On se baisse? Non. On saute? Non. On fait donc comment? C'est pas négocier. Il faut remettre tout ça. De toute façon, il y avait 15 années, il y a 18 ans. 18 ans, c'est ça. Oui, on a compris, c'est pourquoi on se donne. Tu fais quoi là-bas? Voilà. Ça va. Non. Merci. Ah bon. Merci, ma fille. Il a arrangé le pied, c'est le chien. Il consomme quelque chose. J'ajoute. Ok, d'accord. Non, non, non. On a compté. Ok, on a compté. Ça va, c'est bon, ça. C'est bon. C'est même très bien. Il a un paquet d'enveloppes de 1000 par an. T'as eu à quoi ici? Non, ça va aller. Ça va aller. Sans les qui? Ça va aller. Ça va aller. Ah, je lui dis que ça va. Ça va aller. Okay. Non, ça va aller. Ça va aller. Il y a quoi? Ça va aller. Ce sont les qui même d'abord. Elles comprennent que. Est-ce qu'il y a les chiens à lâcher là-bas? Elles ont compris. Elles ont compris. Ça va aller. Justement, le pâté dit que s'il y a trop de bruit, on lâche les chiens. Ça va aller. Ouais. Non. Ça va aller. Ça va aller. Non, mais. Ça va aller. Attends, maman, c'est. Ils en reviennent pas. Il est bien, il est bien, défi de paix. Papa? Nous savons respecter. Papa? Négociation là. Si on ne négocie pas bien, même à 23 heures. Et puis si maintenant les parents sont fatigués, c'est demain que vous allez revenir sur moi. Si c'est demain qu'ils vont accepter. Si c'est demain qu'ils vont accepter. Et puis le côté dit que le match va bientôt commencer. Il y a Real Barça tout à l'heure. Il va aller regarder le match. Ça veut dire que les enfants ont intérêt à vite faire pour lever la barrière. Bon, lui il est de notre côté. Il dit, vous avez intérêt à vite faire pour lever la barrière. Sauf qu'il est de l'autre côté de la barrière avec nous. C'est ce qu'il dit. Il voudrait. Voilà ma fille que je te donne. Encore yang yang. Mon rayon de soleil, je te la donne. Je m'adresse à toi, oh mon beau fils. Tu as décidé de te marier avec ma fille. Alors il faut comprendre une chose. Ici, c'est ce que les anglo-saxons appellent souvent une rencontre de gentlemen. Parce qu'on s'était déjà fixé un canevas. Et ici, on s'entend dessus, la cérémonie ne saurait durer. On dit chez nous que la réunion des sages ne dure pas. Voilà.
Mais si mon beau commence comme il a commencé en prenant ou pas, en me faisant attendre, il m'avait dit que c'est à 11h. Je ne sais pas, il est 11h du soir ou 11h de... Je ne sais pas moi. Hein, mon beau? Bon, aux aléas de la route, c'est pas dû à notre volonté. Sinon, nous, on s'était dit, nous avons fini. Et puis, si la réjouissance commence, les uns et les autres seront emportés par ça. Et puis, ceux qui tiendront pourront aller jusqu'au petit matin. Maintenant, ça ira de la volonté de tout un chacun. Pendant que l'essentiel sera fait. Malheureusement, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Nous sommes là. Ça, c'est le plus important. Nous sommes là. Et puis, je crois que comme vous l'avez si bien dit, nous nous sommes dit un certain nombre de choses. On va y aller tout droit pour ne pas perdre le temps. Travers notre fils, dont le sentiment a amené jusqu'ici. Et notre fils, il est là. C'est goutte d'eau. D'accord. Oui, oui. Ça, mon fils, sois le bienvenu. Nous t'attendions. On avait soif de te voir. Tu imagines notre joie, mon fils. On espère que tu vas davantage amplifier cette joie. On t'attendait. Parce que ce que mon ami Bière me raconte parfois. Bon. Ok, ok, assure-toi mon fils. Bien. Mon fils, on m'a dit que tu étais avec ma fille Marelle hier ou je ne sais où. Je ne sais pas. Moi je ne la vois pas. Si nous l'avions menti quand on m'a dit qu'ils étaient ensemble hier. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit donc que si nous l'avions vu, on se serait dit un certain nombre de choses. Et peut-être que elle nous aiderait à régler un certain nombre de choses pour que nous n'arrivions pas ici à cette heure-ci. Prends à la rencontre de Marelle et surtout aidez-moi à la chercher. C'est pourquoi nous sommes ici dans la concession, parce qu'on se dit ici c'est le lieu indiqué pour la retrouver. Mon beau, là, moi je sais pas. J'étais convaincu que à ton arrivée, j'aurais des nouvelles dans ce sens. Maintenant que tu me dis que tu ne sais pas où elle se trouve, il va falloir engager des recherches. Parce que le fait de ne pas la voir, moi je suis déjà très inquiet. Non, je ne serais pas venu avec tout ce monde si mon cœur ne battait pas. Et la sérénité d'en bas, ça veut dire que tu me dis quelque chose de mauvais. Non, pas du tout. Il est très serein. Il est si serein que je... Il est serein parce que nous avons déployé des gros efforts pour arriver ici. Nous nous sommes même trompés de route. Ça, il faut que je vous le dise. Oh. Parce que la nuit était arrivée. Ok, bon, comme nous sommes déjà là, on se réjouit. D'accord. Il paraît que tu connais la maison mieux que moi-même. Non. Je dis bien j'espère. Ok. J'espère. Ok. Puisque nous sommes à la maison et qu'elle n'y est pas. Il faut qu'on organise donc une battue. Et on va envoyer des émissaires. Pour retrouver ma fille. Ok. Afin qu'on avance. Ok. Vous êtes mieux placé pour trouver le ministère qui va y aller. Et puis, si il y a autre chose, on verra comment faire. Ah, oh, c'est du côté des Kédian. Ah, ok. Ok, oui. Bon, il va falloir envoyer quelqu'un. 500 km. Il faut aller la chercher. T'as fait quoi? Je ne sais pas comment ça se passe. C'est nous qui
ne pense pas qu'il a une idée de ce qui se passe. Sinon, il nous écoute et il se dit, si je suis avec papa et maman et toute cette forte délégation, c'est pour m'aider à chercher celle-là pour qui mon cœur bat. Mon beau, nous disons la même chose. Donc, merci. Bon, organisons-nous pour qu'elle revienne. Donc, on envoie quelqu'un. Oui, on va envoyer quelqu'un. La personne, elle est là? Oui. On va trouver un peu de carburant pour qu'elle y aille. La respiration ne va pas se couper. Bon, je ne sais pas. Marie, je viens là. Hein? C'est elle ici? C'est elle ici. Non, celle-là ne portait pas le nez. Ah! Marelle que je connais ne portait pas. Comme il y a les poussières en, la poussière en roue, peut-être que c'est plus pour dire ce vieux. Non, pas du tout. Ça, c'est la vie. Non, pas du tout. Non, c'est pas Marelle. Ça doit être sa sœur. Et elle pourra nous aider à retrouver Marelle. Ah bon, nous n'avions pas cette information. Comme ça, hein? Surtout, je ne voudrais pas qu'elle parte sans nous dire qu'elle va la retrouver, hein, parce qu'elle sort du même, du même village donc qu'il y a. Justement, justement. Ma fille, qui est à vous de, Marelle, de vous déployer pour qu'elle la retrouve. Elle est dans quel secteur? On doit te soigner. La dernière fois, on s'est dit un certain nombre de choses. Prenez besoin de revenir pour cela. Tu m'as dit ce que tu venais chercher, pourquoi tu étais là. On est tous tombés d'accord. Je me dis que tu représentais valablement le petit Ambassa qui est là. Ben, il manquait donc un rituel. Mais ta place n'est pas auprès de moi, mais auprès de ton marais. Ce vin peut être une pierre d'achoppement pour celui qui le prend, alors qu'il n'est pas sincère dans son cœur. Si tu n'aimes pas Ambassa, ne me manque pas ici. Parce que tu boiras ce vin contre toi-même. Si tu es d'accord, tu vas prendre ce vin, tu vas le goûter et tu vas offrir le donner à ton père que voilà, devant tout le monde pour dire voici celui que j'ai choisi. Ne reviens pas me dire demain que non, ce n'était pas Ambassa. Bien, tu donnes ce vin à ton mari. Alors, quand tu vas cligner de la tournée, de la malaxée, déformée et percutée, elle deviendra tu remets à ta femme, elle goûte. Ce gorille deviendra ta femme. Toi-même, regarde ma fille, brille encore. Elle brille comme les étoiles du ciel. Je ne veux pas voir un que ta beauté. Acheter. Let's get you on top.
y a le balai. Voilà. Au revoir ma fille, tu sais que je t'aime beaucoup, mais ta place n'est pas auprès de moi, mais auprès de ton marais. Goodbye, love down. You know that I love you so much. But your bliss is not with me. It's your heart. Suivez les âmes du couple présidentiel. Papa Podia et Mama Chantal Diaby. Écoute-moi très bien. Deux bains, c'est une seule fois. Ne permets pas que les hommes viennent à la maison. Ne méprise pas parce qu'il est courtier. Ne permets pas qu'il ne le fasse. Ne permets pas qu'il ne suive longtemps. Voilà. Quand il me couille, tu dois l'aimer. Même étant fâché, tu dois l'aimer. Merci beaucoup pour l'accueil dans la famille Boulon. Et vraiment, ensemble, nous avons scellé la famille par le rituel du mariage ici tout à l'heure, qui est l'union inséparable. Que nous irons concrétiser administrativement parlant et religieusement parlant dans les prochains jours. Les dates pourront être communiquées tout à l'heure. Et vraiment, sincèrement, je tiens à vous dire grandement merci. Je viens prendre ma fille pour vivre avec ma fille, faire des enfants. Et quand il y a un problème, je réclame directement ma tête. Donc, pour finir, ce que je veux te dire, que malgré tout ce qu'on pourrait penser, malgré tout ce que les gens peuvent dire, Monsieur Boulon dit que je vous donne cette fille avec tout mon amour et l'amour de la famille. Vous avez vu, beaucoup de gens ont parlé ici. Il faisait que c'était apaisé, apaisé, apaisé. Elle a eu toute la bonne volonté. Et cet amour-là, de revenir vers moi pour me dire que papa, de là où elle part, de là où elle est, pour me dire que voilà la situation. Et quand nous avons causé ici, nous nous sommes dit qu'il faut que ces enfants soient là. Et comme ils sont là, moi je suis en train de la bénir au moment où je suis en train de parler là. De telle sorte que qu'elle n'ait pas de problème dans sa vie. Si elle a des problèmes dans sa vie, c'est moi qui aurai des problèmes. Donc arrangez-vous, même en famille. Bon, ma fille, voici ton père. Hein? Soulevez les mains. Mon fils, pose. Voilà ton mari à côté de toi. Vous êtes les poussettes, c'est bon.
Ça fait quoi, c'est le même, mais après, il n'y a pas d'enjeu.